On a eu l'information, l'effet que certaines personnes, évidemment, encore aujourd'hui, ont des répercussions. Là. Se trouver un emploi, c'est très difficile parce qu'ils sont venus confesser leur péché. Donc, est-ce que les gens qui leur refusent des emplois vont dire, bien, écoutez, tu as fait des choses qui sont inacceptables, je ne peux pas t'engager. Est-ce que c'est ça ou c'est peut-être une espèce d'effet de conséquence en disant, regarde, toi, tu as parlé, tu n'as pas gardé le silence, tu as mis à jour les problématiques. On peut se poser la question, mais c'est certain qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues témoigner, qui ont encore des conséquences aujourd'hui, suite à leur témoignage, malgré les protections offertes par la loi. Principalement, là, la loi, c'est commission d'enquête, mais vraisemblablement, est très théorique. C'est-à-dire que c'est sûr, je vais à la cour, j'ai l'argent pour aller à la cour, me payer des avocats, je vais sûrement avoir raison, mais dans la vie de tous les jours, en pratique, ça n'a peut-être pas la protection requise, cet article-là.